Coucou, salut, salut d'entrée de jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir mes vidéos en exclusivité. Bouyaka! Coucou, salut les amis, famille. J'espère que vous allez très bien. Toujours votre humble serviteur, l'URSS de Diamantelli. Vous ne likez pas mes vidéos d'entrée de jeu. Likez mes vidéos. Parce que j'ai constaté sur la chaîne que vous suivez la vidéo seulement et vous gagnez temps. Likez mes vidéos, mettez votre pouce. Là, YouTube mettra en avant, bien sûr, notre vidéo. Le sujet d'aujourd'hui concerne, bien sûr, cette grosse polémique autour de Dossi Yao et du président de l'Assemblée nationale burkinabé, Alassane Bala Sankandé. Ça va se savoir dans cette vidéo. Oui, chers abonnés, rentrons dans le vif du sujet. Désormais, vous aurez des vidéos chap-chap, des vidéos chapelet et rentrons dans le vif du sujet. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est bien sûr ce message de Dossi Yao, ce message que Dossi Yao a posté sur ses comptes. Je vous lis rapidement ce message. Dossi Yao dit ceci. Reçu aujourd'hui chez le président de l'Assemblée nationale burkinabé et sa charmante épouse Atenko Dogo. Bonne fête de l'indépendance 2019 à tous mes lovers du Burkina Faso. C'est le message qui a tout gâté, bien sûr, sur la toile, puisque après ce message, les détracteurs de Dossi Yao, comme d'habitude, ont commencé par envoyer des messages sur la toile, comme quoi Dossi Yao, que c'est faux, elle n'a pas rencontré, du moins, le président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, et qu'elle était allée avec certains amis, il y avait beaucoup d'artistes, donc c'était bon, la cour du roi Preto, tout le monde était là, donc c'est faux, la photo qu'elle a postée, que c'est faux. Et après, les Burkinabés se sont rendus compte que la bimbo a été bel et bien reçue par le président de l'Assemblée nationale. On vous parle quand même de Dossi Yao qui peut résister bien sûr à cette masse, à cette gombo baraba. Donc maintenant, les Burkinabés ont commencé par lyncher Dossi Yao comme quoi quand elle était assise auprès du président de l'Assemblée nationale, elle était bien sûr assise sur le drapeau burkinabé. Bon, moi sur mes images, j'ai pas vu ça. C'est ce que les internautes burkinabés ont souligné et que le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Alassane Bala Sankandé, doit présenter ses excuses pour avoir laissé Dossi Yao profaner le drapeau national parce qu'elle était assise sur le drapeau national. En deux, les internautes burkinabés, c'est-à-dire les burkinabés, disent que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, n'avait pas le droit de prendre du champagne, bien sûr, avec Dossi Yao et que Allah a refusé de prendre du champagne, bien sûr, avec une porclée. Selon les burkinabés, Dossi Yao est une porclée. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, ne doit pas prendre du champagne avec une porclée et qui doit aller présenter ses excuses à Allah. Et en trois, bien sûr, les burkinabés reprochent à leur président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, que pourquoi il a déposé son coude, bien sûr, sur les cuisses de Dossi Yao. Vous imaginez, quand vous déposez vos bras, bien sûr, sur les cuisses de Dossi Yao, c'est des vibrations bouillacastiques. Donc, les Burkinabés sont en train de demander à leur président de l'Assemblée nationale d'aller présenter ses excuses et à sa femme, bien sûr, que pourquoi il a déposé, bien sûr, son coude sur les cuisses de Dossi Yao, d'aller présenter ses excuses à sa femme. Bon, moi, je vous laisse juger, chers abonnés. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à ce sujet, à cette polémique, grosse polémique du côté du Burkina Faso, bien sûr, chers abonnés. En tout cas, moi, pour ma part, le président de l'Assemblée nationale a le droit de recevoir qui il veut, encore que c'est la fête, et Dossi Yao qui est dans ce monde et qui peut résister, bien sûr, à la visite de Dossi Yao, une bimbo comme ça. Maintenant, les Burkinabés sont allés très loin en disant que est-ce que Dossi Yao avait été déjà reçu auparavant par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, que ça ne s'est jamais passé et que, bon, et que c'est leur administration, est une administration, comment dirais-je, Kura ou bien quoi là, désorganisé, c'est pourquoi on reçoit ce genre de personnes. Je vous dis, mettez la balle à terre, chers Burkinabés, on connaît bien, on vous connaît en tant que votre intégrité, on appelle les Burkinabés les hommes intègres, le Burkina Faso c'est le pays des hommes intègres, donc mettez la balle à terre et dosez comme le disent les Ivoiriens. J'espère que vous avez aimé la vidéo, donnez-moi, n'hésitez pas de me donner vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez cette vidéo bien sûr, partagez cette vidéo et likez la vidéo au maximum, je veux des likes et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné d'entrée de jeu. Bing bing bing, en route pour de nouveaux défis, moi je pars déjà. Jamais si pareil, on demande au bureau la game, mais on a dans le à 2 minutes.